Alors, les personnes qui sont concernées sont celles qui n'ont pas de symptômes et qui sont âgées de 50 à 74 ans. Donc, c'est la population générale n'ayant pas de signes particuliers de souffrance digestive, n'ayant pas non plus d'antécédents particuliers, que ce soit personnels ou d'antécédents dans leur famille proche, de maladies digestives et en particulier de cancer. Voilà, donc c'est l'essentiel de la population, hein, entre 50 et 74 ans.